Oh là là, il y a un gros truc qui m'a tapé dans la veste là. La dernière fois que ça m'est arrivé, ça, c'était un frelon qui m'a niqué. J'ai rien, hein. Purée. Ah ouais, non. piqûre de frelon, j'évite comme la peste, hein. Oh là là. Ça a l'air bon. C'est là que vous voyez que j'ai un truc sous le bras. Oh. Non, avec ma petite allergie au venin de guêpe et de frelon, je vais pas aller tenter le diable, quoi. Petite prise d'angle. Petite, hein. J'étais pas prêt. Oh là là. J'ai toujours un doute sur lequel faut que j'aille. Ni. Ah bah attends. Non, c'est bon. Oh là là. Gars, t'as géré ton virage. Oh là là, Michel. Il était comme moi. C'est lequel? Oh là là. Je te comprends tellement. Oh là là. Il était cool son vélo! Il était beaucoup trop stylé son vélo! Il était bleu! Oh! C'était. Il y avait... Oh, je m'attendais pas à ça! C'était pas doux du tout! Bonjour messieurs! Salut! J'adore ta moto! T'as très joli engin véhiculaire! C'est clairement pas longtemps pour faire un excès de vitesse. Tu passes en wheelie, t'as 15 flics qui partent à ta poursuite. Bon, mais on va aller se mettre devant avec l'ami là, hein. Oui. T'inquiète pas, hein, je te laisserai partir en premier. Hein. Stresse pas. Je ne te fais aucun mal, hein. J'allais pas te gratouiller, hein. Non. Ah là là. Monsieur fait... conduit vraiment mal, hein. Pas de clignot, il freine un peu à l'arrache, je pense qu'il les avait pas vus tout de suite. Aujourd'hui, nous suivons un animal très spécial. L'Homo inhabilitus scooterus. Traduit en français, l'homme sur un scooter pas habile. Vous pouvez voir dans toutes ses actions qu'il ne comprend pas vraiment ce qu'il est en train de faire. Le clignotant, ça n'existe pas pour lui. Il n'évite pas les bouches d'égout, il roule dessus. Il prend très très large les ronds-points. Il semble que ça va être difficile pour nous de le suivre. L'homo inhabilitus... Oh purée, je l'ai plus le nom. L'homo inhabilitus scooterus court vite. Il roule vite. Il n'a toujours pas trouvé son clignotant. Ni l'accélérateur d'ailleurs. Mais l'observation continue. Il semblerait que nous ne l'effrayons pas, à part au tout début. Mais
Non, il a trouvé un clin de temps. Ah, cousin. Incroyable. Sans les mains, on avance, on tourne, et on avance. Enfin, on avance toujours. Mais... Sans les mains. Je peux vous dire que quand j'aurai un cruise control, on me verra plus souvent dans une position comme ça. Hein. Dessous. Je passerai ma vie sans les mains. C'était moyennement le bon moment, hein. Tu mériterais une tapette sur les fesses. Ah, that's my boy. Je pense qu'il est là. Mais bonjour! Mais salut! Bien et toi? Tu vas partir là ou bien? Écoute, j'étais en train de réfléchir, mais j'ai en tout cas un bon 100 kills, donc ça doit aller. Je crois pas que ça glissait. Je sais pas, mais j'ai mis le pied à un moment, je sentais. Ouais, moi aussi j'ai posé le pied par terre, mais franchement je sentais rien du tout, mais comme ça hein. On continue ? Vas-y hein. Chance la tienne. Hein ? Chance la tienne. Mec là, 100 degrés. Ouais, je suis à 97 là. Enfin, c'est pas beaucoup mieux. Je m'arrête là. Mais moi, c'est qu'à 100 degrés, il y a la ventilation qui s'allume. Et là, après, t'as. Bon, après, t'as souvent les jambes, c'est vrai. Eh oui. Oh, ah ouais. Rien à foutre, hein. Qui vient de passer. Tu fais quoi toi? C'était génial comme truc. Oh putain, c'est quoi? Il fait un voyage avec ça mec. Ah, c'est génial. Coiffeuse à domicile. Oh, c'est le feu. Enfin, ça dépend le type de coiffure, mais. Non, vous le voyez celui-là? Oh, mais il est dégueulasse! Oh, il est gros et jaune! Ah, il y a même un peu de vert! Ah, en regardant bien. Ah, je sais pas ce que je me suis pris! En tout cas, j'ose dire, sans trop me tromper, que je pense que la chose en question
elle va pas bien. Putain, je me suis pris un deuxième. Mais c'est pas vrai. Oh, purée. Hâte. C'est quoi ce feu posé au milieu de nulle part sans rien? Ah, mais est-ce que c'est pas un de ces feux qui te stoppe si tu arrives trop vite? Ça, c'est encore une belle invention. Ah, bah, tu vois, j'arrivais trop vite. C'était ma faute! Et on a pu tester! C'est effectivement ça! Je roulais 10 km au-dessus, il m'a stoppé! Tu vas, bro! Son petit freinage m'a fait flipper! Il fait une bonne raison! Oh. Est-ce que t'es un peu flippé à cause du cycliste dans le virage? On finit sur une petite voix off des familles. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, laisser un petit commentaire ou même vous abonner si ça vous a plu. Ça me ferait méga plaisir. Et sur ce, je vous laisse encore sur ce petit bout de route. Allez, ciao !